chemin, celui de l'amour au bout de la haine, car au bout de ceci se trouvent les extraves en un point réunis. Aux seules fins de conserver nos richesses, le pouvoir et nos biens matériels, nous oublions toutes nos promesses, nous ignorons notre être spirituel. Place nette est faite au niveau de l'être. Arrogance, insolence, mensonge, trahison, vengeance, impolitesse, paresse, jalousie, moquerie, hypocrisie et tant d'autres mots encore grondent dans ma tête. Chemin de la connaissance, que vous êtes long et ardu à arpenter, j'ai tellement de suffisance et si peu d'humilité, qu'importe les épreuves, le tout est de faire preuve de courage et d'abnégation pour atteindre la réalisation. Quant à vous, vous dont les âmes se tournent vers Dieu, c'est la porte dans l'immensité des cieux, vous dont les voyages vous emportent au-delà des nuages, fils du Verseau, enfant du nouvel âge, ouvrez les cœurs qui sont à votre portée. Brisez toutes les chaînes que vous trouvez. Apportez joie et amour dans les demeures. Sauvez l'homme avant qu'il ne meure d'être trop longtemps resté dans l'ignorance et la incompétence à nous transformer. Réveillons en nous les rêves de notre enfance pour accélérer le processus de transformation et atteindre la suprême fusion. Sur le palier de la transcendance, lorsque matière et esprit entrent en communion, l'âme de l'alchimiste vole vers une nouvelle conscience, le plomb se change en or. Ainsi, la quête de la pierre philosophale n'est qu'une quête vers un plus grand mysticisme. Afin de percer les plus grands secrets, les plus grands mystères, on ne peut faire preuve d'ostracisme. Laissons-nous emporter par l'immense spirale qui transmute les métaux et transcende l'air, pour que ce monde, si monde,